fundadores del arte moderna, tout court, con Pablo Picasso, Matisse y con Kandinsky también. Muchos jóvenes artistas de las nuevas jóvenes generaciones, como los pintores españoles de los años 80, han redescubierto ellos mismos Bonnard, que tiene colores fantásticos, que es el único en la escuela francesa a usar colores totalmente violentos. Bonnard n'est pas un peintre qui va décrire la nature, ça ne l'intéresse pas du tout, la réalité ne l'intéresse pas. Mais il va produire un monde en quelque sorte idéalisé par ses couleurs, par ses compositions. Bonnard a usado de temas muy personales como el baño, la bañera, la visión de su mujer que está lavando es misma. Ha hecho fotografías entre el 1905 y 1907. La fotografía es muy importante por él, pero como por muchos pintores que han usado la fotografía. Dans la dernière salle de l'exposition de Madrid, on voit les grands décors de Bonnard et qui sont de très grandes dimensions. Ces tableaux à Paris étaient exposés dans une salle aussi de très grandes dimensions avec un très haut plafond. Mais ici, dans cette salle qui est plus petite, on a vraiment l'impression d'un dialogue direct avec la peinture.